Des violences policières. Il y en a encore eu cette année. En 2017, il y en a eu 20. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir, dont mon fils et son ami Selom sont morts suite à un contrôle de police abusif, je le répète. Alors je compte sur vous. Je donnerai la date de la marche blanche à Sylvain ou à Jean-Marie. Qui vous donneront le lieu et l'heure. J'espère pouvoir le faire un samedi. Et si je ne peux pas un samedi, je le ferai un dimanche. Parce que pas de justice, pas de paix, ni oubli, ni pardon. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Et bonne manifestation. On continue. Non au pass autoritaire. Ou bien de ta campagne profonde, la réalité est la même. De partout la colère gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la carte. CBA, Rothschild, à Macron, tu vois. En bas l'oligarchie, on lâche rien. En bas la Macronie, on lâche rien. On lâche rien. Les Attali, on lâche rien. On lâche rien. Les Seguela, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Nada, on lâche rien. 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 Donc c'était chacun pour sa gueule, dans mon tout est continué. Mais il fallait bien qu'un jour on se réveille, et peut-être se remettre à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien. Merci. On lâche rien.
même pas vos enfants. On lâche rien. 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 Nada. On lâche rien. On lâche rien. On est là. Mais tu ne connais pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Mais s'il vous plaît, hein, pas de moment. Je dis que c'est interdit. Prenons la route et nous nous dirigeons vers l'ouest du pays pour prendre le pouls d'autres gilets jaunes.
Sans surprise, ces femmes et ces hommes sont à l'unisson du reste du mouvement. Je n'ai plus beaucoup de voix. J'ai trop chanté la Marseillaise. Vous êtes là pourquoi ? Vous êtes venu pourquoi ? Pour un ras-le-bol général. La retraite, les taxes, Macron, son gouvernement, tout, tout. Et j'espérais ça depuis des années et des années. Espérez quoi ? Que ça pète, que ça change. Parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas Macron. Macron, ça a été la goutte d'eau. Mais voilà, c'est depuis Mitterrand que ça va plus. Non, on part pas en vacances, je m'achète pas de chaussures, voilà, je peux pas m'habiller, j'ai pas de chaussettes, j'ai pas de collants parce que j'ai pas les moyens de m'en payer. C'est quand même pas normal, quoi. C'est pas normal. Ce camp se prépare pour le long terme, pour tenir sur la durée. Ceux qui sont ici promettent que s'ils sont allés aussi loin, ce n'est pas pour renoncer. Qu'est-ce que vous pensez que ce mouvement-là, il peut conquérir et peut aboutir? Je pense qu'il peut conquérir pas que la France, il peut aussi conquérir les autres pays d'Europe, voire même plus loin, pour pouvoir appeler aux manifestants à se manifester. Parce qu'on en a marre d'être un peuple qui est ponctionné.